Yo les gens, c'est Pronostic Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle petite vidéo, donc désolé, je suis avec l'ordinateur portable, donc je sais pas ce que ça va donner, car la tablette a la petite batterie, bon bref, c'est pas grave. Donc j'ai tout noté, donc ce que vous m'avez dit, tout ça. Donc c'est parti, donc le premier match, c'était Karabag, on m'avait dit, donc Karabag va s'imposer, donc voilà. Ensuite, vous m'avez tous demandé de la Ligue 1, donc j'ai fait tous les matchs de la Ligue 1, je vous ai tout pronostiqué. Donc c'est parti. Alors le premier match donc c'est Lorient-Toulouse. Donc pour moi Toulouse bah ça c'est serré, franchement ça va être serré, mais pour moi Toulouse va s'imposer. Car franchement ils ont retrouvé une belle petite dynamique avec le 4-0 à domicile. Ils ont recruté Andy Delors, Corentin Jean, ça va franchement ça va bien. Et après vous allez me dire certes ouais Lorient ils ont quand même gagné à Lille. Lorient a gagné à Lille, mais Lille, malgré bon hier ils ont fait un beau match contre Paris. Mais Lille c'est vrai qu'ils se cherchent encore. Donc voilà Lorient. Je sais pas. Pour moi, Toulouse va s'imposer dans ce match. Ensuite, le deuxième match sera Lyon-Nancy. Pour moi, Lyon, ils vont galérer. Franchement, ils vont galérer. Moi, je sors un match nul. Mais moi, je mettrai la double option Lyon ou match nul. Voilà. Car attention à la surprise. Lyon, il n'y aura pas Corentin Tolisso. Il n'y aura pas Rachid Ghezal. Ils ont pris une rouste 2-0 contre Saint-Etienne. Donc attention, attention à ce match. Ça peut être une belle petite surprise. Ensuite, Metz-Dijon. Pour moi, Metz va s'imposer dans ce match. Il y aura pas de. Franchement, pour moi, il y aura pas de surprise. Metz va s'imposer. Ils ont besoin de points. Et contre Dijon, il y a moyen de faire quelque chose. Et à mon avis, ils vont pas laisser passer ça. Ensuite, Nice AS Saint-Etienne. J'ai vu ça revenait beaucoup dans les commentaires. Mais pour moi, Saint-Etienne, ils ont tout donné contre Lyon. Ils vont être cramés. Et Nice, ils veulent vraiment, vraiment, vraiment les 3 points. Et chez eux, à mon avis, Nice va s'imposer largement. Pour moi, après, je sais pas. Ensuite, Marseille contre Guingamp. Marseille, pour moi, va s'imposer à domicile. Certes, ils ont fait une contre-performance la semaine dernière. C'était à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que chez eux, au Vélodrome, ils vont vouloir tout donner. Et pour moi, ils vont s'imposer. Ensuite, il y avait Angers-Rennes. Pour moi, ça va être serré. Parce que bon, Angers, c'est quand même une belle équipe. Mais Rennes, j'ai regardé le match la semaine dernière contre Bordeaux. Je sais pas si vous l'avez vu, franchement, ils ont dominé tout le match. Ça méritait pas un match nul, tout ça. Donc pour moi, Rennes va s'imposer. Ils vont aller prendre les 3 points à Angers. Et ensuite, il en restait un. Ouais, c'est Bastia-Nantes, voilà. Donc ça, c'est un match aussi assez indécis. Moi, je serais un match nul. Même si c'est deux équipes assez. Ouais, moi, je serais un match nul ou Bastia. Voilà, un match nul ou Bastia. Donc voilà les gens, c'est tout pour le pronostic Ligue 1. Voilà, donc je vous ai fait vraiment. Ça rassemble toute la Ligue 1, il y a tous les matchs de Ligue 1. Ensuite, je vous laisse choisir. Parce que voilà, c'était à vous de choisir. Et franchement, vous m'avez demandé un combiné Ligue 1. Donc voilà, donc je vous l'ai fait. Il y avait juste donc un match que quelqu'un m'a demandé, je sais pas si c'est pour rigoler ou quoi, Karabag. Bon ben voilà, Karabag va s'imposer, mec. Donc voilà, donc c'est tout pour moi, les gars. Je vous dis à demain. Passez à tous une bonne journée. Si t'as kiffé, tu lâches un gros pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça aussi ça me fait extrêmement plaisir. À demain les gens, peace.